Pour soutenir notre travail, merci de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur « Abonner » et ensuite en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Bonsoir. Nous sommes venus ici pour essayer de rentrer en communication avec vous. Nous sommes venus ici pour 3 heures environ, 3-4 heures. Et durant les 4 heures, on va essayer de rentrer en communication avec vous. Avec plusieurs manières de faire. Donc, vous pouvez montrer votre présence en faisant du bruit. Vous pouvez parler. Mais nous avons aussi le matériel. Comme j'ai dans la main droite, si vous touchez le boîtier, ça va s'allumer et ça va mettre une petit son. En tenue pareil, c'est le même principe. Sinon, à l'état, je vous ai laissé une caméra avec un pod, donc c'est un boîtier noir avec une antenne. Dans le même principe, il suffit de s'en approcher pour le faire déclencher. Nous savons très bien que c'est un vieux bâtiment qui date de 1800 et quelques. C'est ça, date, hein? 1800 quand même. Donc c'est un bâtiment qui a eu beaucoup de vie ici. Et qui a survécu à la guerre. Donc c'est un bâtiment qui a eu beaucoup de vie ici. Et qui a survécu à la guerre. Ça trop seul, on les entend. Non, on les entend. J'entends, je suis deux. On entend sur les quatre étages. Est-ce qu'il y a une entité ou plusieurs entités qui aimeraient communiquer avec nous ce soir? Est-ce que vous pouvez déclencher ce boîtier? Est-ce que vous pouvez vous en approcher? En aucun cas, ça vous fera du mal. En aucun cas, ça vous fera du mal.
Est-ce que vous avez la possibilité ou la capacité de le faire, de déclencher ou taper sur un mur? Est-ce que vous pouvez répéter le même bruit que moi? Est-ce que vous pouvez reproduire le même bruit? Je vais vous montrer la température de la caméra. J'ai vu ça, j'ai l'impression que ça descend. Alors. Donc j'ai 28,7 de température. C'est ce que j'avais en haut. Parce que j'avais 30. Là je suis à 28,7. Est-ce que vous pouvez faire descendre la température de la pièce? Ça, c'est bon. C'est pour ça que je me suis enlevé parce qu'il bouge. Est-ce que vous pouvez rabaisser la température de la pièce, s'il vous plaît? Au dernier étage, il y a une autre équipe. C'est nos collègues. Donc, si vous n'avez pas envie de vous répondre, allez les voir. Ça chuchote, ça a chuchoté, ça vient me faire racheter. Bonsoir, je m'appelle Cédric et je suis ici pour entrer en communication avec une entité qui serait peut-être présente. Oula, elle est claire. À peine arrivé dans cette pièce, vous avez fait clignoter le K2. Est-ce que... Ah oui, ça envoie des lumières. Ça envoie des ondes. Ouais, non, ça envoie, parce que c'est de l'infrarouge, donc ça va t'envoyer des trucs dégueulasses sur la caméra. Est-ce que c'est vous qui avez activé le boîtier gris avec la lumière verte? Si oui, est-ce que vous pouvez recommencer? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec nous en ce moment? J'ai un appareil dans la main qui sert à vous voir. Donc si vous voulez passer devant la caméra, vous pouvez. Et je vais voir votre squelette, entre guillemets, quoi. Je vais voir votre forme. Donc vous pouvez vous approcher, passer devant. Et je vous verrai. Ça ne vous fera aucun mal. C'est juste un appareil de vision. Juste pour moi, si tu veux. Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Je
Nous ne sommes pas ici dans l'intention de vous faire peur, ni de vous faire partir d'ailleurs. Nous sommes juste ici pour savoir si quelqu'un est avec nous. Si vous voulez bien communiquer, participer. Montrer votre présence avec le matériel ou en tapant dans un mur. En parlant près de la caméra. Je sais aussi que des fois le matériel vous fait peur. Donc là, je vais laisser un appareil sur l'ordinateur. Ça s'appelle un enregistreur numérique. Donc je vais vous poser des questions. Et si vous donnez une réponse dans ce boîtier, ça sera très sympa de votre part. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes ancien propriétaire? Est-ce que vous avez vécu ici?
Il y a un truc là. Non. Non, je précise, pendant l'écoute, il y a un coup là au couloir, je crois que c'est dans le couloir. Hein. Oui, c'était à ma droite. Je sais pas où exactement, mais c'était. Et puis là, il y a un petit truc sur l'enregistrement, je ne sais pas si on l'entend correctement. Là. C'était dehors, t'es. Hein? C'était dehors. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Le bâtiment est extrêmement vieux, apparemment il serait des années 19e siècle. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait quelqu'un qui serait encore, qui résiderait encore dans cet appartement ou dans le bâtiment complet, s'il pouvait entrer en communication avec nous. Si oui, vous pouvez le faire donc grâce à cette lumière verte, touchez l'appareil et ça va clignoter. Ou alors tout simplement vous vous avancez vers moi et puis je vais vous voir sur la caméra. Vous avez aussi la possibilité de faire du bruit. Donc je fais une deuxième séance. Je vais penser avec pareil. Ah mais t'as pas peur, moi je trouve passer avec pareil. Laissez-moi un message, s'il vous plaît. Laissez-moi un message, s'il vous plaît. Message, s'il vous plaît.
peux rentrer. C'est bon ? Ouais, on n'est pas tenu. Non, c'est pour vous, juste caméra, j'ai poussé. Non, on avait poussé. Vous les avez entendus aussi, les bruits de pas ? Ouais. Mais c'est bizarre parce que moi j'ai cru que c'était à côté de nous. Non. Vous avez l'impression que c'était au-dessus de nous. Et au-dessus de nous, il y a un point fixe, là, juste au-dessus de nous. Ça, c'est nickel. Ouais, je les ai enregistrés sur mon enregistreur. Pas de panique. En plus, au moment-là, en plus, je pose la question, marcher vers nous, un truc comme ça, puis juste après. Ça a marché. Pof. Enfin, nous, on a eu un toc. Puis on a eu une petite sensation de fraîcheur. Oh, mais c'est bon, là. Ah, non, mais c'est fraîcheur. Non, mais la température a bougé d'un degré et demi. Mais... Ah, d'accord. Attends, je vais vous faire quitter le passage. Et Anto, il a eu le cas qui a déclenché deux fois. Ah bon ? Nous, je crois que quand on était en haut, à peine arrivé, il s'est mis à clignoter aussi, mais après il n'a plus rien du tout. Ah. Ça, on n'a pas fumé, je pensais que c'était parce qu'il le bougeait trop vite. Est-ce que vous pouvez me laisser un message dans ce boîtier, s'il vous plaît, comme tout à l'heure? Bonsoir. Est-ce qu'il y a une personne qui a vécu ici qui aimerait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Allez-y. Soyez pas timide. Ouais, c'est moi qui empêche le son de marcher. Oh là, on va rester sur la planche, hein, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous êtes prêt à communiquer avec nous? D'accord. Merci. Donc nous, on va se présenter. Moi, c'est Tayeb. Stéphanie. Cédric. Et nous avons aussi Aurélien et Maximilien qui sont là avec nous dans la pièce. Est-ce que vous pouvez donner votre prénom, s'il vous plaît? Allez-y, merci. Nous n'avons pas compris. Vous êtes bienveillant. Oui, d'accord. Parvenir au milieu. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous êtes une femme? C'est bien.
Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette maison? Est-ce que c'est vous tout à l'heure qui avez fait du bruit quand on est en bas? Est-ce que vous êtes seul? Combien d'entités ici? Deux? Trois. Trois avec vous? Ok, merci. Est-ce que c'est une des deux autres qui ont fait le bruit tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez donner votre son prénom à la personne qui a fait du bruit tout à l'heure? Ça ne me dérange pas. Allez-y. A. L. L. Alexandre. Oui. Est-ce que c'est lui qui a touché l'antenne de l'appareil pour que ça fait du bruit? Quel est le couloir? Est-ce qu'il peut recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez lui demander de recommencer, de toucher l'antenne? Alexandre, vous pouvez le faire, vous l'avez déjà fait. Ça nous ferait plaisir. S'il vous plaît. Ça nous montrerait que vous êtes bien là avec nous, d'ailleurs. J'ai plus de batterie. Ah oui. Change là. Vous savez sur Dieu.